Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans la forêt. J'avais trouvé ce petit coin dimanche matin en faisant mon footing. Je l'avais trouvé plutôt cool, plutôt sympa. Et il m'avait permis aussi de trouver des réponses à des questions que je me posais. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la peur de tourner la page. Est-ce que cela vous arrive d'avoir ce sentiment d'être resté bloqué dans un moment de votre vie? Est-ce que pour vous, le simple fait d'effacer une photo ou de jeter le vieux bulletin scolaire, c'est l'angoisse incontrôlable du jour? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il est si difficile de se débarrasser de choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent? Et si je fais allusion au rangement, je pense surtout à l'idée de faire du tri dans votre vie. Alors je ne sais pas si vous êtes comme je l'ai été, mais peut-être que vous avez encore chez vous des années de magazines dont vous vous servez comme étagère. Ou même que vous avez des vêtements qui datent encore du réveillon de 2005. Et ça prend de la place tout ça. Cette difficulté à se débarrasser des choses, on l'a déjà tous expérimenté. Pour certains, à des degrés plus ou moins inquiétants. Certains auront une tendance à accumuler, comme moi jadis, et d'autres arriveront à se libérer de cet attachement qu'on peut avoir pour des objets ou des personnes qui nous retiennent dans le passé. Au-delà de la pathologie qui peut être dramatique, et je ne dis pas que c'est le cas pour vous, ce qui en revanche peut l'être, c'est quand vous n'avez plus de place pour vous dans votre propre vie. Vous vous faites submerger par toutes ces choses qui encombrent votre vie. Et vous ne vous permettez plus de maintenir un certain équilibre de vie, d'être bien, de vous sentir bien dans votre vie, dans votre corps, avec les autres et en société. Libérez-vous de cette valeur émotionnelle que vous attribuez aux choses dans votre vie. Et vous séparer d'une chose ne fera pas perdre un morceau de vous. Ça ne sera pas une petite mort pour vous. Recentrez-vous sur vous. Donnez de l'importance à votre vie. Votre identité ne dépend pas d'un objet, ne dépend pas d'un trophée, ne dépend pas d'une personne, d'un job, d'une maison, etc. Ok, ce sont des souvenirs réels, mais vos souvenirs doivent vivre dans votre tête. Je sais qu'on ne peut pas s'empêcher d'associer des souvenirs à quelque chose ou quelqu'un, mais ne vous laissez pas envahir par la nostalgie quand vous écouterez telle musique ou que vous serez dans tel endroit. À vous de voir aussi si vous ne rejouez pas le schéma familial de vos parents, surtout si vous étiez dans une famille qui ne jette rien du tout. La deuxième chose que j'observe chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est la peur du manque. Et la peur du manque est destructrice. C'est aussi la peur de manquer qui nous amène à surconsommer, comme ce que l'on fait depuis des années en consommant de plus en plus rapidement les ressources de la planète et chaque année un petit peu plus. Et ça vient aussi de nos parents qui ont eux-mêmes été élevés par des personnes qui avaient des angoisses de manquer dues à la guerre. Et ça vous est déjà forcément arrivé de vous dire « je le garde, on ne sait jamais pour plus tard ». Même si en ce moment ça sent un peu le sapin avec la Corée, on peut avoir des doutes certes, mais la guerre c'est fini. Faites confiance en l'avenir, faites-vous confiance. À ce sujet, permettez-moi de vous poser ces questions. Est-ce que vous vous appréciez réellement? Est-ce que vous pensez mériter mieux que ces vieilles choses que vous n'aimez plus du tout et qui vous encombrent dans votre vie? Alors je sais qu'on a tous une histoire, une éducation, un tempérament, une personnalité différente, mais c'est à vous de lâcher prise. Lâchez prise sur vos exigences élevées. Arrêtez de vous punir. Arrêtez de vous mettre la pression en vous mettant des obligations et exprimez un peu plus vos besoins, vos envies, vos émotions pour laisser la place à votre volonté de vivre une vie qui vous ressemble et la vivre avec plaisir. C'est possible pour vous d'être épanoui. C'est à votre portée. Commencez pas à pas en vous séparant dans un premier temps des choses qui sont sans risque. Quelles que soient les raisons qui peuvent amener à accumuler des choses, il n'y aura pas une seule recette toute faite pour y remédier. Mais portez votre attention sur la stratégie à mettre en place qui vous permettra de mieux vivre. Votre stratégie. Améliorez votre perception des choses et surtout de la vie. Mais principalement, et c'est surtout le fait d'accepter qu'il en existe d'autres qui vous aideront à faire le premier pas. Ne vous brusquez pas car c'est ce cheminement progressif que vous mènerez qui vous rendra fier de vous, qui fera vous rendre compte que c'est au final sans danger. Voilà, je tenais à faire cette vidéo en partie pour une personne que j'ai accompagnée et qui, je le sais, regardera d'où elle est. Si vous deviez retenir une idée qui résumerait toute cette vidéo, c'est bien celle-ci. Parfois, il ne faut pas uniquement tourner la page, il faut aussi changer de livre.